Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, unboxing aujourd'hui. Voilà, donc c'est la vidéo dont je vous parlais hier sur ma vidéo que j'avais pas le temps de faire puisqu'il était tard. Voilà, donc j'ai reçu un colis hier. Alors, d'une nouvelle boutique. Nouvelle boutique pour moi. Voilà, c'est une boutique dont je n'ai pas encore parlé dans ma chaîne. Cette boutique s'appelle The Diamond Painting Factory. Voilà, j'espère que je prononce bien. Voilà. Et que ma voix n'a pas l'air trop d'une voix d'enfant. Si vous voulez comprendre pourquoi je dis ça, allez voir dans la communauté. Voilà. Et oui, des fois, il y a des commentaires. Hein, mais bon... Que voulez-vous? On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est... Mais bon, je m'en fous. Hein. Cette dame m'a dit au revoir. Eh bien, au revoir, madame. Il n'y a pas de souci. Donc, allez voir dans la communauté. J'ai fait un petit post là-dessus. Voilà. Mais bon, c'est bien hein, de me dire que je parle comme une enfant. J'ai 57 ans, donc c'est bien, ça me rajeunit. C'est chouette. Bon, je referme les parenthèses. donc, voilà. Alors, ici, c'est une boutique un peu spéciale, je trouve. Qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Parce qu'ils ont des kits que je n'ai encore vus jamais ailleurs. Donc j'ai choisi le kit, hein, ils m'ont laissé choisir. Et c'est vrai que les kits qu'ils vendent, bon, ils ont une partie de kits où on peut trouver dans les autres boutiques, ça d'accord. Et ils ont plusieurs catégories où ce sont des kits faits par des créateurs ou des créatrices, voilà. Donc des dessinateurs tout. Et donc ce sont des kits que je, comme je dis, que je n'ai encore jamais vu, donc ça change, voilà. Et donc la boutique elle en elle-même est en Angleterre, voilà. Et ils ont, bon, attention, je vais entendre les holà. Hein, ils peuvent être en Angleterre, mais ils commandent en Chine. Mais oui, ils commandent en Chine. C'est normal. Voilà, comme toutes les boutiques. Toutes les boutiques commandent en Chine. De toute façon, les usines sont là-bas. Donc, on ne peut pas faire autrement. Hein. Il n'y a pas d'usine en France. Il n'y a pas d'usine en Angleterre. Il n'y a pas d'usine en Espagne. Voilà, les seules usines de Diamond Painting sont en Chine. Je ne veux pas entendre crier derrière les écrans. C'est comme ça. Mais bon, il y a des boutiques en France, en Angleterre, en Espagne, voilà. Donc, eux sont au Royaume-Uni, donc en Angleterre. Et ils ont quand même un stock de Diamond Painting chez eux, au Royaume-Uni. Et il y a des kits qu'ils commandent. Donc, quand on le commande, ils le font revenir de Chine, voilà. Donc, moi, le mien est revenu de Chine. Donc, il n'y a pas eu de cachotterie ni rien, puisque j'avais le numéro de suivi et je voyais bien que c'était marqué Chine. Hein, donc, il ne le cache pas et il ne le cache pas non plus, puisque c'est bien écrit dans, dans leur politique, comment on appelle ça, comment ça s'appelle? Ben, les articles que les boutiques doivent mettre en bas de leur page de site, c'est bien écrit de toute façon que ça vient de Chine, etc. Voilà. Donc, ils ne le cachent pas. Donc, les articles qui arrivent de Chine mettent en moyenne 28 jours. Voilà, donc c'est à peu près ça que j'ai eu. Moi, ils ont passé la commande donc le 21 septembre. Donc oui, c'est à peu près ça, 28 jours pour moi le recevoir, puisque je l'ai eu hier.
Et quand, par contre, quand on commande sur leur stock Royaume-Uni, donc ils ont une catégorie marquée stock Royaume-Uni, là, la livraison est entre 3 et 5 jours. Voilà. Donc, ça va. Il n'y a pas là-dessus, je vous dis, ils ne cachent rien, tout est transparent, il n'y a aucun problème. Alors, ce que j'ai aimé dans cette boutique, je vais vous montrer le kit hein, après, malgré que je fais de longs blabla, hein, que ils ont plusieurs créateurs et créatrices qui leur font des kits, enfin des dessins. Et donc moi, j'ai choisi un kit de la créatrice, alors je lis en même temps, c'est pour ça que vous voyez mes yeux baissés, de Tamara Laporte. Donc c'est une créatrice qui est professeure d'art et qui a aussi une entreprise par rapport à de peinture, de création, de dessin, voilà, et qui habite le sud de l'Angleterre. C'est une maman qui a deux garçons, j'ai pu voir parce qu'on a également dans le site le CV, si vous voulez, du créateur. Voilà. Elle fait de l'art populaire mixte et réaliste magique. Voilà. C'est bon, je vous ai réduit le truc, mais si vous allez sur le site, vous pourrez lire en entier un peu son CV. Si vous voulez en savoir plus sur elle. Donc, elle a même une page sur Instagram et une autre page elle a un blog, je crois, aussi, cette dame. Ils ont également donc d'autres créateurs. Alors, il y a Barrett Bidger. Alors, lui, là, c'est un monsieur. Lui, il fait du surréaliste nature. Voilà. C'est joli aussi. Ils ont une autre créatrice. Alors, c'est Jackie E. Donc, ça, c'est Pénélope. Voilà, c'est le nom de ses créations. Elle fait de l'aquarelle. Après, on a Elvira Clément, qui, elle, ne fait que sur les animaux. Et après, vous avez les kits, comme je vous le disais tout à l'heure, les kits normaux que l'on peut trouver un peu partout. Malgré qu'il y a quand même des kits dans cette catégorie que j'ai pas vu beaucoup dans d'autres boutiques. Voilà. Donc ça, en allant sur la boutique, je vous mettrai tous les liens de la boutique, etc., en barre d'infos comme d'habitude. Et vous pourrez découvrir donc ces créateurs. C'est vrai que ce site est vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment flashé dessus et j'aime beaucoup. Ça change vraiment. Voilà, on a quand même le kit de quelqu'un. On n'a pas un kit que tout le monde a déjà chez lui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je vais vous mettre tous les liens et en même temps, dans les liens, vous aurez également un code promo. Voilà. Qui vous permettra d'avoir 10% si vous passez une commande sur ce site. Voilà. Comme je dis souvent, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, j'ai terminé mon grand blabla. Voilà. Hein. Reportez-vous à la communauté. Pour savoir. Non, mais ça me fait rire, des choses comme ça. Alors, j'ai reçu. Bon, j'ai pas tout déballé, j'ai juste. Alors, je pense que c'est passé par la douane parce que ce côté-là. Alors, le plastique était bien refermé, voyez. Et j'ai eu un scotch rouge et blanc. Donc, je pense que il a fait un petit tour par la douane, mon truc, parce que ça. Était craqué. Donc la douane a dû passer son œil dedans. Mais bon, il n'y a rien à cacher. Hein. Donc voilà. Rien d'autre? Non. Voilà. Je vais mettre le carton sur le côté. Alors, une petite chose que j'ai trouvée bien sympathique, je vais vous montrer. C'est que sur le kit, alors déjà, il y a le nom de la boutique, donc The Diamond Painting Factory. Voilà, donc vous avez le nom de la boutique. Et donc vous avez, alors je cache parce que je vais vous le montrer. Donc là, vous voyez, c'est un 60 sur 80, donc c'est un très grand kit.
Enfin, il est encore plus grand, hein, mais je veux dire, c'est un très grand kit quand même. Et sur ce kit, ben, il vous imprime votre nom. Voilà. Il y a mon nom dessus. J'ai trouvé ça rigolo et sympathique. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique que mon nom est imprimé sur le kit. Ça, c'est la première fois que je le vois. Ça, c'est sûr. Et en plus, ah bah, bon, ça, je ne l'avais pas vu. Alors, je vous cache le dessin parce que vous savez que je vous fais toujours languir. Hein. Et ils vous mettent une étiquette. Donc, derrière, vous avez la taille et vous avez votre nom. Donc, au moins, ils ne peuvent pas se tromper. Hein. Je trouve ça très bien. Alors, on va ouvrir le kit. Bon, ce qui est dommage, c'est que je dois arracher l'étiquette en l'ouvrant. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et ça, c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça, qu'on imprime le nom de la cliente sur le kit. Je trouvais ça vraiment très bien. Voilà. Mettre le plastique sur le côté. Il est long, hein. Alors, on va. Ouh, il y a des perles, il y a des perles. Oh là là. Ouh, oui, il y a des perles. Alors, j'ai déjà deux kits. Voilà. Comme d'habitude. Donc là, c'est il y a une petite mousse en plus. Il y a la... Moi, je vais montrer celui-là, on voit tout. Il y a le petit stylet, hein, comme d'habitude. La petite pince, mais bon, moi, celle-là, je l'aime pas. Elle est trop souple, mais bon. Il y a le petit, la petite mousse bleue pour les, pour pas avoir mal aux doigts. Le petit carré de mousse. Et le petit plateau. Voilà, donc là, on en a deux. Et les perles. Il y a de quoi faire. Donc j'ai combien? J'ai un sachet de. Ah ben, 60 cm de perles. Alors, je ne me rappelais plus, c'était des carrés. Voilà. Et là, alors, le kit fait 32 couleurs. Voilà. Est-ce que j'ai la couleur que je n'aime pas? Non, il n'y a pas de noir. Youpi! J'ai pas de noir. Et j'ai pas de blanc. Super. Alors. Là, je vais vous montrer les perles. Donc là, elles sont en chapelet. Ça ne me gêne pas. Et j'ai quand même pas mal de perles. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas de feuille de route. Je regarde. Hein. Et moi, comme vous savez, je m'en fous. Non, j'ai pas de feuille de route. C'est pas un problème pour moi. Alors. Donc. Donc, c'est des perles carrées. Voilà. J'essaye de vous les montrer pour pas que ça floute. Alors, c'est tous des couleurs comme ça, dans les tons mauve, rose. Voilà. Alors, je crois qu'elles sont séparées par couleur. Ouais, c'est ça. Elles sont toutes séparées par couleur. Donc, ça va aller pour vous les montrer, du coup. Mauve, comme ça. Alors, est-ce que c'est la même? Non, c'est pas la même. Une comme ça. Là, j'ai deux chapelets. Ah non, c'est pas les mêmes, attendez.
Ah si, c'est les deux mêmes. Donc j'ai deux chapelets comme ça. Du violet plus foncé. Bon, j'ai pas du noir, mais j'ai quand même du foncé. Hein, mais là, j'ai un petit comme ça. Bon, là, c'est pas noir, hein, c'est bleu marine. Voilà. Un gris clair. Marron clair. Un petit rouge. Voilà. Alors ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'ai du mal à voir les couleurs. Alors ça, c'est un marron un peu violine. Rose. Rose plus foncé. Un violet plus foncé. Et bien là, toi. Un petit rouge. Un violet encore plus foncé. Voilà. En tout cas, les perles, elles ont l'air nickel. Hein. Il n'y a pas de poussière. Déjà. Après, il faudra voir à l'usage, hein, bien sûr. Comment elles se mettent sur le kit. Là, je ne peux pas voir tout de suite. Hein, mais elles ont l'air bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de perles collées. Elles ont l'air de bonne qualité. Mais ça, bon, quand je ferai le kit, je vous en reparlerai de toute façon. Un gris. Un grand chapelet de beige. Beige gris. Un autre beige. Un petit vert. Il y a un petit peu de vert. Une autre sorte de violet. Encore un autre rose. Vous voyez, c'est des tons vraiment... Les rouges, il y a plusieurs sortes de rouges, mais c'est toujours des petits paquets. Là, un rouge rose. Là, encore une autre sorte de bleu marine. Un bleu marine un petit peu plus clair. On arrive au bout, les filles. On arrive au bout. Encore un bleu. Un autre beige. Et pour... Ah non, il y en a encore un petit peu après. Alors, un rose un peu fuchsia. Un bleu clair, bleu roi, et deux petits paquets, alors un petit marron, comme ça, et un petit bleu, ouais, c'est un bleu, voilà. Donc voilà toutes les couleurs, il y a du taf, hein. Je vais les mettre sur le côté, ça je les rangerai après, quand j'aurai terminé la vidéo. Alors, au niveau de la toile, maintenant. Au niveau de la toile, alors, elle est bien épaisse. Je ne vois, sur l'envers déjà, je ne vois aucune rivière. Je vous montre. Bon, bien sûr, c'est comme d'habitude. Hein. Les plis là, c'est les plis parce que c'est roulé. Donc ça n'a aucune incidence.
Voilà, donc comme d'habitude, un petit coup de fer et bon, les petits bords sont un tout petit peu chiffonnés, mais ça c'est pareil, c'est au niveau de l'emballage, hein, ça on n'y peut rien. Donc c'est pareil, un petit coup de fer à repasser et on n'y verra plus rien. Alors, c'est tellement grand que... Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, j'ai ici en bas les références. Est-ce que je les ai en haut aussi? Oui, je les ai en haut aussi. Alors, au niveau des références, donc, comme d'habitude, j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, les symboles et les références DMC. Alors, maintenant, je vais essayer de vous montrer, mais comme je vais vous mettre tout de suite après le dessin. Voilà, alors, le dessin. Mais ça floute, donc vous ne voyez pas bien. Donc, je vous mets tout de suite le dessin. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un peu, c'est quelque chose d'original. Que j'ai vraiment aimé. Alors, il y a beaucoup, enfin beaucoup, il y a plusieurs sortes de modèles de cette créatrice. Alors, je décolle les quatre coins. Et j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment beaucoup aimé. Hop. Voilà. Il est tellement grand qu'il me faut des grands bras pour... J'aime bien qu'il y ait mon nom dessus. Voilà. Et le quatrième coin. Et on va regarder maintenant l'impression et la colle. Mais la toile est vraiment bien épaisse, hein. Voilà. Alors, niveau impression, que je vous montre. Ben, c'est bien. Hein. Alors, on va essayer que ça ne floute pas. Voilà, j'espère que ça ne floute pas. Mais c'est nickel et nico. Et la colle, ça colle, comme d'habitude. Hop. Alors, c'est un plein, c'est des perles carrées, c'est un 60-80, voilà. Et donc, il va me falloir du temps pour le faire. Mais... Alors, peut-être que vous n'aimez pas ce style, mais je trouve que ça change. Voilà. Non, c'est bien. Je regarde la toile. Non, non, il n'y a pas de rivière du tout. Voilà. Hop. Mais j'ai vraiment flashé dessus quand j'ai vu ce genre de toile. J'enroule juste pour pas que ça prenne trop de place sur mon bureau. J'ai vraiment flashé. J'ai dit, ça sort vraiment de l'ordinaire. Alors, j'ai eu, malgré que là, ça sortait de l'ordinaire, j'ai eu quand même beaucoup de mal à faire mon choix parce que j'ai vraiment aimé tous ces genres de kits. J'ai même pas été voir les kits normaux, on va dire, les kits qu'on voit un peu partout. J'ai juste regardé vraiment les kits des créateurs. Et je suis vraiment tombée en amour sur les créations donc de Tamara Laporte. J'ai vraiment aimé énormément. Voilà. Donc je vous dis bon les créations aussi de Barnett Bigger sont très beaux, mais c'est un peu plus comment on va dire
un peu plus noir. Voilà, et donc moi, comme je n'aime pas beaucoup le noir, bon, ben, c'est de très beaux tableaux aussi, hein. Ça, je n'en disconviens pas, c'est vraiment très très joli, mais comme je n'aime pas le noir à mettre, hein, je veux dire, ben, je me suis pas lancée sur ce créateur-là. Parce qu'avec mes yeux, de toute façon, après, j'aurais été vite fatiguée au niveau des yeux pour le faire. Mais il y a des choses très jolies aussi. Et au niveau de Jackie Yi, c'est pareil, hein, les aquarelles sont vraiment très très belles. Ce site a vraiment de très 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 beaux kits. Mais alors, vraiment. Et je n'ai jamais vu ailleurs pour l'instant. Les kits qu'ils ont. C'est vraiment. C'est très rare que je parle comme ça d'une boutique. Bon, je parle toujours bien, même très bien des boutiques, hein. Mais là, je donne un gros, gros point supplémentaire à ce site qui a vraiment des kits qui sortent vraiment de l'ordinaire. Voilà. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour, à découvrir les kits de ces créateurs, parce que ben, je vous dis, je les ai encore jamais vus ailleurs. Et ça sort vraiment de l'ordinaire, vraiment. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été longue, hein, comme d'habitude, pour faire mon blabla. Mais je m'en fous, hein. Moi, le principal, c'est que je vous fasse découvrir des boutiques, que je vous fasse découvrir de nouveaux kits, que je partage avec vous des choses que moi que j'aime. Voilà. Ça vous plaît, c'est super. Ça vous plaît pas, bah, tant pis, malheureusement. Mais je sais que les trois quarts du temps, même, je veux dire à 90%, ce que je vous présente, ça vous plaît souvent, même presque toujours. J'allais dire une chose. Je vais maintenant vous laisser. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous laisser découvrir cette boutique. Et n'oubliez pas, donc en barre d'infos, je vous mets tous les liens nécessaires, le lien de la boutique, le lien pour retrouver ce kit. Et je vous remets également les liens, je vais vous mettre en même temps les liens peut-être de chaque créateur, leur page. Et je vous mets également le code promo pour pouvoir bénéficier de 10% sur votre commande. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des énormes bisous. Des bisous, bisous, bisous. Voilà. Comme les enfants. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.